Eh bien salut à tous, c'est Ranelli38 Et le Mookie! et bienvenue pour un tout nouveau let's play à deux joueurs sur Lego, le Seigneur des Anneaux. Et il y a Mookie qui se marre à côté. Normal, c'est Ah, obligé. bon, alors, appuie sur une touche, appuie sur une touche. Oui. Ah oui, tu te démerdes. Ok, la manette ne répond pas très bien. Ok, donc, ben voilà, le Lego Seigneur des Anneaux. Toi, tu n'y as pas trop joué, Mookie, hein. Non, j'avais l'intention de le faire en playthrough. Avec moi. Avec toi, et du coup, bah. Nous y voilà enfin, c'est un moment. Non, Donc, non. nouvelle partie. Voilà, moi j'avais fini le jeu à 40%, j'ai fini le scénario, mais pas les quêtes annexes. Et oui, il y a beaucoup à faire. Donc, ben voilà, je propose qu'on commence la partie, puis qu'on explique Oui, tout à tout pourquoi à on a fait fait. ça. La première personne qui dit dans les commentaires, qui demande ce qu'est le Seigneur des Anneaux, on lui éclate les deux dents de devant. Non, pas que. Les deux dents de derrière. Voilà! Et on l'envoie à l'hosto jusqu'à la fin de ses jours. Ça te va? Oui, ça me C'est va! parti Ok! donc. Donc voilà, on va commencer parce que bon, on va pas faire en sorte que ça dure trop longtemps. Donc voilà, c'est en sauvegarde automatique. Et ben, je suppose qu'il va y avoir une petite cinématique. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois Trois. furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept aux seigneurs nains, grands mineurs. Il y en a quelques-uns. Normal. Ils sont huit. Ah non. Neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout C'est trop désiraient cool les le Lego. pouvoir. Mais c'est marrant. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Les Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du On savait pas comme si on Sauron, connaissait le film par cœur. forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les Oui, on parle pendant la cinématique parce que beaucoup d'entre vous ont vu le Seigneur des Anneaux, donc pour les gouverner tous. voilà. Mais il en fut certaines qui résistaient. Ouais! L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en Bon, cette guerre fois-ci, il n'y aura et pas les faux raccords que tu as sur étudiés et le versant tout. de la montagne du Oh mince alors! Oui, alors, je ne ferai jamais le début du Seigneur des Anneaux, parce que, comment dire, j'ai vu des faux raccords, maintenant je peux plus le voir sans me marrer, alors c'est. Ils y comprennent rien! Moi je trouve que c'est. Et attention, Vas-y, alors attention! F2. Voilà, donc on est sur le même écran en fait. Ah là on est sur le même écran. Ouais, je pense que Le sinon c'est le même ciel écran. ronde! Voilà, donc il faut tuer des orques. Oh oui, tuer des orques! Tuer des orques! Genre, j'y vois! Ouais, alors oui, c'est un peu la galère au début. Ah oui, n'oublie pas de ramasser pas mal de points Lego. Ah voilà, Notre écran se split, et puis je vais revenir vers toi, et du coup, en revenant vers toi, nous reformons l'écran! Voilà. Un écran pour Pour les les ghouls. réunir tous! Bah, tu vas mourir, mécréant! 72 mètres! Ça vole bien, un orc! Oui. Surtout sans la tête! Non, c'est moi, ça! Ah, c'est les coups spéciaux! Ouais. Je suis en train de mourir. Je peux t'achever si tu veux. Non, on peut pas. Tu peux pas me tuer. Allez. Bon, alors on a essayé de faire ben, Lego Seigneur des Anneaux d'un parce qu'on voulait un jeu qui nous permette de jouer ensemble. Et puis, ben, vu qu'on aimait tous les deux Seigneur des Anneaux et que c'est un jeu très sympa, franchement, ben on s'est dit, ben on va le faire. Oui, je fais des roulades. Je suis un elfe. Moi, je fais des roulades. Bon, le jeu est très simple, mais. Voilà, il est marrant et. Bah, c'est un Lego, quoi. Hein. Voilà. Et puis, je vois, Lego, c'est toujours drôle. et puis peut-être qu'on vous fera le Hobbit après. Ah, si on s'amuse? Oui. Non, pour l'instant, ça va. C'est marrant. Oh, bande de. Qu'est-ce qu'ils me font? Alors, ah oui, il faut changer de personnage. Alors. Ah oui, mais attends, je vais prendre.
faut changer de personnage. Parce qu'en fait, il y a certaines, certaines tourelles qui ne peuvent pas. Enfin, certaines choses qui ne. Attends, voilà, je. Il y a certaines choses qui ne peuvent être démolies que par certains personnages. Et ben là, ça peut être démoli uniquement par Enduril. Bon, bah alors je te laisse tout détruire, ça veut dire en fait. Voilà, il faut que tu t'occupes des orques. Donc tu t'occupes de la mêlée. Bon, pour l'instant, les combats sont un peu brouillons, je dois l'avouer, mais c'est parce que ben, c'est le début du jeu. Ça, brouillon. Des orques, laissez-moi. Je suis à la ronde de Fangombe. La victoire était proche. Une tafiole elfique imberbe. Oh mon dieu. Mais le pouvoir de l'amour. Alors là, par contre, Sauron, il est démesurément grand. Voilà. Voilà. D'abord, c'est Sauron XXL. Quoi ? Oui, c'est Sauron. Alors, ça, c'est je vais partir à l'assaut. Alors, sauvegarder et continuer. Voilà. Sauron. À nous deux. À nous trois. Partout. Alors attention, il faut attendre qu'il ait sa masse dans le sol pour le taper en fait. Tu peux pas le taper pour ça. Et il fait mal. On s'en fout, on est des Legos. Ah oui, zut, il faut que ce soit Enduril. Voilà, un point de vie en moins. Un demi, je ah, mais suis... c'est toi, c'est... Ah oui, mais soit c'est Enduril, c'est vrai. Ah ouais, il me semblait bien. Alors voilà. Tu m'étais perdu. Toi, t'es à droite, hein. Il me court après, il me court après. Non, il va m'avoir. Oh mon dieu. Ouais, bon, Sauron. Sauron. Le seigneur des ténèbres. Oh. Oh. En fait, il est merdique. Pourquoi il y a des gens qui sont morts face à lui? Je comprends pas. Ouais, nous on court autour. Coucou, Sauron. Bon, petit Sauron. Sauroné. Sauroné. Il aura s'énerver. Surtout quand il se split un petit peu, c'est encore plus drôle. Non, je lui passe entre les jambes. Il est ridicule, ce Sauron. Regarde. Ah, ah. Oh, je lui passe entre les jambes. Merde. Allez. Ah ça y est, vas-y attaque-le, attaque-le. Ah il n'en reste plus qu'un point de vie. Il se split, il se split et... YOLO. on va avoir un petit temps pour s'habituer à ça. Hein. You should not pass. Je suis perdu. Wouah! Ah, il y a son fils qui est mort! On s'en fout, c'est son destin! Ah oui, c'est vrai, il meurt à un moment dans le film! Désolé pour le spoil, mais. On s'en fout! Ils ont plus de 10 ans ces films! Oui, donc vous êtes censé les avoir vus! Et les bouquins, on n'en parle même pas! Voilà, le spoil, ça n'existe pas! Surtout sur Seigneur des Anneaux ou quoi? Voilà! Le Hobbit, un peu peut-être, mais. Parce qu'il est plus récent! Oui, mais là, Seigneur des Anneaux, non, ah, vas-y, achève-le! Détruis sa masse! Yala, et voilà! Donc... J'ai perdu ta masse! Putain, papa! Non! Pourquoi il a pas perdu la tête? On est dans un Lego! Oh! Ce fut à ce moment, Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père. Cassez! Allez, maintenant tu récupères ton bracelet. Tu vois, désolé, c'est pas un anneau, c'est un bracelet là. L'ennemi des peuples libres de la terre du milieu fut vaincu. L'anneau alla à Isildur. Oh mon collier. Qui eut la seule opportunité de détruire le mal. Et ça date à la taille. Isildur, vite. Suivez-moi. Et oui, on passe directement au moment où Isildur va mettre l'anneau dans la... Enfin, ne va pas mettre l'anneau dans la montagne du destin. Mais c'est moi ! Oui, tu es Isildur. Pourquoi j'ai le rôle du méchant ? Tu veux changer ? C'est pas grave, j'ai l'habitude.
forcément, il fallait que tu fasses les mauvaises touches. Alors ça, il faut que tu continues. À nous deux. Non, je crois que c'est Gimli celui-là. Parce que oui, tu peux refaire les niveaux et puis avec tous les personnages du jeu en fait. Donc du coup, tu vois Gimli et tout. Moi j'avance. Je reste ici, c'est dur. J'ai pas l'anneau, mais je vais me diriger vers la montagne du destin. À ta place. C'est ton destin. C'est pour ça que ça s'appelle la montagne du destin. Et maintenant, bah, c'est à toi de péter ces espèces de trucs rouges. Parce que c'est toi qui as l'épée du roi. Tu parles, j'ai la moitié de l'épée du roi. Oui, mais c'est déjà la moitié. Moi j'ai même pas le quart, ni le petit. Et je me suis pris la lave. Ah, moi aussi. C'est pas ici. Mais on pourrait le jeter ici d'ailleurs, l'anneau. Mais oui. Mais pourquoi? Pourquoi je vais le sonner? On pourrait juste le jeter ici. Quel bordel scénaristique. Pourquoi les orques ils ont des cheveux? Ah, je sais pas. Parce qu'on est dans le Lego, fuck it. Détruis ça aussi. Ouais, moi j'aime pas ce rond. Hein. Mais pourtant, genre, détruis ça aussi. Non, pas moi, ça, j'ai dit. Ah oui, il faut monter par là. Ça ou toi, c'est la même chose. Et il casse tout, voilà. Tout cassé. Bon, par contre, niveau score, tu mènes. Ça, c'est parce que t'es mort. Toi aussi, t'es mort. Je recule. Je recule à chaque fois que je donne un coup. Pas. Attends, oui, c'est normal parce qu'il faut que je sois, que je fasse ça de ton côté. Toi, tu peux pas sauter haut. Moi, je suis un elfe. Je peux sauter haut. Ouais. Par contre, mon petit Isildur, tu vas venir ici. Il faut que tu pètes ça. Attends, non, à gauche, à gauche. À la foutre. À gauche. Ah, t'as plus de trucs à péter là. Voilà, donc il y a des petits trésors cachés qu'il faut retrouver pour compléter au fur et à mesure. Tiens, je lui pique son pognon quand tu meurs. Merci. Tu me remercieras plus. Tard. Non, plus. Non, des orques. Infâme créature. De l'ombre. Ah non, faut que tu casses ça. Je me casse surtout. J'ai détruit Sauron, Attends, et moi j'aime bien insister sur le fait. Je Qu'est-ce que ça fait? Ok, d'accord, j'ai provoqué quelques ennemis. Et alors? Tu n'as pas le droit de détruire Sauron. Voilà. Bon niveau score, tu mets. Allez, maintenant, il faut aller là-bas. Non! Mais non, jette-le dans le feu. Jette-le dans le feu. Jette-le dans le feu. Non. Détruisez-le. Non. Isildur. Et voilà, Elrond, tu t'es cassé. Le cœur des hommes est aisément corruptible. Et l'anneau de pouvoir a sa volonté propre. Ils ont une belle gueule quand même. Ils sont pas mal. Mieux que dans l'Hobbit. Il trahit. Oula, oui, c'est pas une sacrée. Le mec est invisible, il se prend. Et six flèches dans la gueule. Tu n'aurais pas dû être oublié. Furent perdus. Furent perdus. Tu as malheureux que. 1500 ans. Plus personne. Oui, plus tard, quand même, hein. Je n'y pas. Précieux. Je le vois, On va faire pas mal de références à Reflet d'Acide, je pense. L'emmena dans les galeries souterraines des monts brumeaux. Pendant 500 ans, que nous voulons, c'est du poisson bien goûté. L'anneau ne s'attendait pas.
Il fut ramassé par la créature la plus improbable. C'est un mais ça. Qu'est-ce que ceci si. Un hobbit. Bilbon Sacquet de la Comté. Un anneau. Mais non, c'est un collier, nom de Dieu. Nous avons fini le premier niveau. Voilà. Oh, ça me rappelle, dans Le Retour du Roi, c'est la même musique à la fin oui. des niveaux. Oh, Le Retour du Roi. Tu sais que tout seul, je suis toujours bloqué à la porte. C'est pas facile. Oh, il est hardcore. Faudra peut-être qu'un jour on se le fasse quand même. Sur PS2, oui. Ouais. Sur PC, il est immaniable. Non, sur PC, il est immaniable. Ah, sur PS2, ça peut être marrant. Oui. Youpi. Ah, toi, tu me bats largement. Ça va, c'est bien commun. Tant mieux dans ce cas. Bon, ça fait 35 000 à nous deux, ça va. Ça fait une bonne petite cagnotte. Oui, je sais, on avait plein. On en avait plusieurs. En fait, on a 10 dans le niveau. Ouais, mais on peut pas avec ce personnage. Oui, il nous faut les autres personnages, Gimli, etc. Donc, tout à fait. Voir. Et puis, bon. Ça va, ça a pas duré longtemps, là. Non. C'est vrai. Alors, vous persistez avec votre plan. Oui, oui, tout est organisé. Tout est fin prêt. Je suis vieux, Gandalf. J'ai besoin de vacances. Là, on s'est carrément pas mal de trucs, quand même. Les deux. Aussi souvent que faire se peut. Je lui lègue tout ce que je possède. Qu'en est-il de votre anneau? Vous le lui laissez aussi? J'aime beaucoup mon anneau. Mm-hmm. Il est bien fait. Vous avez raison, Gandalf. L'anneau doit aller à Frodon. Bilbon? Bilbon? L'anneau est toujours dans votre poche. L'anneau est encore dans votre poche. Ah. Oui. Et j'étais le comme ça. Voilà. Au revoir, Gandalf. Adieu. Au revoir, cher Bilbon. Oh, le plein d'œufs. Descendant de la porte. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Les poulies sont gros, hein. Bilbon ! Là, tu te casses un orteil. Gandalf ? Il est parti, n'est-ce pas ? Il est allé vivre chez les elfes. Un anneau pour les gouverner tous. Il était pas censé partir un moment et revenir. C'est ça. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres, les lier. Oh. C'est dans le café qu'il est pour les écritures. J'avais oublié ça. Pour le Seigneur des ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de secondes ténèbres. Frodo, pouvoir du café, quand même. Il ne doit jamais. Il sent le café maintenant. Gollum va pas être content. Mais c'est vous. Lui. Oh, dans la cheminée. Sabre de bois, Sam Gamji. C'est qui on s'écoute à la fenêtre? J'étais pas à la coupe de la fenêtre. J'étais dans la cheminée. Que dois-je faire? Rendez-vous au village de Bray. Moi, je vous attendrai. Quête initiatique. Nous ferons. Je dois voir mon supérieur. Il saura quoi faire. Oh. Cachez-le. Mettez-le en sûreté. Et... Ma lampe! Ma lampe! Il a cassé ma lampe! Je trouve ça excellent. Mais tu l'as vu? On trouve ça excellent. Salaud. Salaud. Et nous voilà dans la comté. Ben là, ça va être un peu un mode libre. C'est pas un niveau. Donc on va pouvoir explorer, il n'y a pas d'ennemis, mais on peut explorer pour découvrir des pièces, etc. Donc moi je te propose qu'on explore un peu la comté, et puis qu'on arrête cette vidéo ensuite. Ouais, il y a un point de sauvegarde, on va pas le prendre tout de suite. On part chacun de notre côté, on monte le plus comme ça, vous regardez sur l'écran splitté du coup. Voilà. Alors, par contre la vidéo sera disponible sur les deux chaînes. Ouais. Donc en fonction de qui vous êtes abonné, et ben voilà. Ça changera rien à la vision. Quoique, j'ai peut-être une idée.
Et si on sortait une vidéo sur deux sur la chaîne de quelqu'un? Par exemple, une vidéo. On oblige à s'abonner aux deux chaînes. Bah oui. Voilà. Donc la première vidéo. Oh l'ordure. Oui, je pense stratégie. Bien évidemment, chaque vidéo, on verra à la suivante. Hein. Oui, voilà. On mettra des liens dans la description. Et bah tiens, je vous propose comme ça deux épisodes par semaine. Le premier, les épisodes impairs sur ma chaîne et les épisodes pairs sur la chaîne de Mookie Mookie. Ça va être très drôle. Bah comme ça, au moins, ça fera pas, ça fera un contenu inédit sur chaque scène, chaque chaîne. Tout à fait. J'approuve. Bah oui, c'est ton idée, c'est normal que tu approuves, crétin fini. En même temps, j'ai un peu pitié de toi, j'ai plus d'abonnés que toi, donc T'essaies de m'en faire partager, c'est ça? Voilà. Non, je rigole, c'est... En même temps, j'ai pas envie d'en profiter seul, ou que... Par exemple, voilà, que j'ai envie d'aider mon petit Mookie. L'autre, il a 140 abonnés, c'est bon, il a la grosse tête. Et là, c'est bon, là, t'es en face, t'as que 70 abonnés, donc... Oui, faut que je t'aide, etc. Voilà, t'as tout compris. Bon, t'es en train de piller, hein. Pillage! 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 Oh, il y a une flèche. C'est quoi une flèche? Normalement, c'est un défi ou quelque chose comme ça. Va voir. Hein. Je vais aller voir. Je suis juste en train de dégommer les champs de maïs. J'aime les champs de maïs. Je vois du maïs, je m'en sers de poutine ball. Oui, c'est une phase de jeu très intéressante, moi je trouve. Vous voyez deux crétins. Je viens de monter sur une chèvre. Tu viens de monter une chèvre. Oui. C'est dégueulasse. C'était la suite du jeu en fait. Mais qu'est-ce que tu as foutu, bougre de crétin? Oh, tu m'as dit que c'était probablement un défi. Oui, un défi, la suite du jeu. Tu m'as dit d'aller voir. Mary, c'est Frodon. Ok. Bonjour, Frodon. De toute façon, on aura accès au monde derrière, donc on pourra y retourner quand on fera. Bon. Oh, le cochon derrière. Et Sam qui prend toutes les carottes. Non, le cochon qui prend toutes les carottes. Il va me tuer. Bon, une cinématique pour finir une vidéo, c'est cool, moi je trouve. Hein. Ouais, je propose qu'après cette cinématique, on mette sur pause et puis on enchaîne sur la vidéo suivante. Si tu as le temps. Je vais pas avoir vraiment le temps. Bon, ok. Non, on trouvera le temps de toute façon. Ouais. Vu qu'on se voit cette année, ouais. On va pouvoir. Quittez la route! Vite! Quittez la route! Et c'est sur cette phase-là, malheureusement, qu'on se quitte. Une phase de course-poursuite au hasard. Hein. Ouais. Enfin, plutôt cache-cache. Voilà, avec Mary, Pipin, etc. Et puis, ce sera tout. Merci d'avoir regardé. Merci, mon très cher Mookie, d'être là. Toujours présent. Et puis, on se retrouve... dans quelques jours, du coup. Hein. Dans quelques jours, voilà, ouais. Puis, on verra pour tourner la suite quand tu peux. Ok. Tout à fait, mais on va essayer de vous en amener régulièrement. Ok, quand même, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de trucs à deux. La dernière fois, c'était Soulka 5. C'est ça. Et on aimerait bien faire plus, quoi. Battlefront 2, faudrait qu'on réessaye, quand même. Battlefront 2, il y a de la promesse qui arrive. De la promesse, mais qui sera... On verra, en fait. Et par contre, oui, pour information, pour les personnes qui ont suivi Battlefront 2, on a eu une très désagréable surprise dernièrement. Les serveurs de Battlefront 2 ont été fermés. Oui, à cause de la fin de LucasArts. Voilà, donc... On est obligé de tourner en réseau local. Donc voilà, donc... Ça me fait penser, il faut que je réinstalle Tungle. Voilà, si vous connaissez Amachi, on a trouvé un logiciel... Bon, un ami a trouvé un logiciel génial. Monsieur le Président, si tu nous regardes... François Hollande. Voilà, à chaque fois, ça fait deux fois que je fais une dédicace au Président. Donc oui, un ami qui a trouvé Tungle, c'est pour l'instant en bêta, mais c'est bien mieux qu'Amachi. Ça lag moins, beaucoup moins. Ça lag beaucoup moins, et ça laisse un très bon ping, hein. Non, voilà. Donc oui, on vous mettra peut-être le lien de Tungle, parce que sincèrement, c'est très bien. Mais oui, Battlefront 2, on est obligé d'émuler maintenant des réseaux. Voilà.
Enfin bon, bah pour aujourd'hui c'est fini. Enfin pour aujourd'hui non, vu que maintenant la deuxième vidéo est sur la chaîne de Mookie Mookie, voilà. C'est à peu près ça. Donc le lien dans la description et puis ben voilà en quelque sorte. C'est ça. Et okay. Ben passez une bonne journée. Et puis ben à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.